Et donc salut tout le monde, c'est la question 4 pour le 7ème épisode de Pokémon version GM. Après 2 semaines d'attente, parce que la semaine dernière j'ai pas pu tourner de vidéo. Parce que de base je ne voulais pas sortir d'épisode de Pokémon GM, je voulais sortir d'autres vidéos. Puis quand j'ai fait le montage, assez tardivement dans la journée, quand j'ai fait le montage de ces vidéos, j'ai remarqué un gros bug vis-à-vis de l'enregistrement de ces vidéos, ce qui fait que l'enregistrement du son de mon PC a mal tourné. Du coup, c'est dommage. Donc déjà, première chose, on continuera cette discussion plus tard. Déjà, première chose, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un abra derrière moi. Et oui, parce que j'ai une nouvelle équipe. Bon, les trois principaux n'ont pas changé, hein. Nous avons le type vol, le type feu et le type plante. Nous avons trois Pokémon nouveaux. Sésame qui est un Abra niveau 15. Fari qui est un l'énergie niveau 26. Et Marielle, un Maril niveau 25. Je les ai eu, un Marielle, je l'ai eu comme ça. Fari, je l'ai eu en Watt. Et lui, je l'ai eu en comme ça. Et donc voilà. Et je les ai tellement bien entraînés, j'ai galéré même. Si pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez bien dû voir que j'ai souffert surtout à cause de Ramolos. Ah là là, je le déteste, Ramolos. Bref, la discussion par rapport aux vidéos que j'avais voulu sortir, c'était sur Pokémon version aux cheveux, hors Nuzlocke bien sûr. Donc j'avais lancé une série de captures avec Dark Wolf, on avait tout tourné à la suite et tout. Et puis tout d'un coup je remarque que quand je fais le montage que le son du PC a mal été enregistré, ce qui fait que la moitié de notre conversation a été coupée. Enfin quand il parlait lui la moitié des choses étaient coupées. Ce qui fait que c'est complètement impossible, je pouvais pas me permettre de sortir une vidéo avec ce genre de problème. Du coup ce que j'ai fait, j'ai décidé de ne pas les sortir. Sauf que quand j'ai décidé de ne pas les sortir, il était tard dans la journée, j'avais pas le temps de tourner d'autres épisodes. Et en plus ça j'étais assez deg, alors j'avais la flemme. De plus, de toute façon j'avais une journée trop remplie pour pouvoir me permettre de tourner d'autres épisodes. Il fallait que je révise pour un contrôle. Enfin, dans mon lycée, quoi. Parce que oui, j'étudie dans un lycée, oui. Ça, vous devez le savoir. Bref. Ceci étant dit. Pokémon Rouge Feu en Hornuzlocke pour l'instant ne sortira pas. Dommage. Dès que je retrouverai la motivation de retourner ces vidéos. Et dès que Dark Wolf retrouvera aussi la motivation, d'ailleurs je lui ai même pas encore dit parce que je n'ai pas encore une nouvelle de lui et ces temps-ci. Je ne lui ai pas encore dit. Mais de toute façon je lui dirai et je lui expliquerai le problème. Et je pense qu'il comprendra. De toute façon il n'a pas autre choix que comprendre. S'il comprend pas, je le fouette. Je le fouette. Hop là. Ce presseur est fini. Quand je pense qu'avant l'entraînement on avait du mal à le battre celui-là. Alors bien sûr je laisse Abra en premier parce qu'il suffit juste d'un niveau pour qu'il évolue donc. Tu as de jolis Pokémon, t'as vu ça, il est trop mignon, j'adore. D'ailleurs j'avais fait un screen de lui. Et d'ailleurs je vais même le mettre sur Twitter après cet épisode. Krabby. Niveau 19. Ouais, il faut y aller. C'est dommage que ces épisodes ne sont pas sortis, hein. ça aurait eu une longue durée parce que je crois qu'on avait tourné environ 7 épisodes. 7 épisodes, vous vous rendez compte? Ça serait allé très loin. Je pense que ces 7 épisodes, si tout se passe bien, ils seront enregistrés. Ils sortiront peut-être pendant les vacances d'été, si tout se passe bien. Ou peut-être même dans les prochaines vacances. Vacances de Pâques. Qui arrive à grands pas, je crois. Dans 6 semaines, je crois. Girafarigue. Oui. J'ai pas une attaque comme mort sur moi. Il me semble que non. Farig.
pas une attaque comme morsure, c'est pas grave. Oh là là. Ah génial, bien joué Fari. Par contre il a peuré, ça me saoule. Oh nickel. Ah c'est un coup critique. Bah tout va bien, normalement un coup en plus ça sera bon. Ah putain. Il va me le tuer à force. Ouais tout va bien. Ça fait mal un Chirafarig. Alors. Est-ce que j'ai des potions? J'ai pas de popo. Ah si. J'en ai 4. Et une autre sur le deuxième. Hop là. Voilà. D'ailleurs, j'espère que pour cet épisode, le layout, le nouveau layout, vous plaît. Hein. Parce que les derniers épisodes, faut pas croire que c'était le définitif. C'est juste que j'avais la flemme d'en faire un pour l'instant. Du coup, ben, j'en ai fait un nouveau. Donc, normalement, vers la droite de l'écran, vous voyez les badges. Et encore plus à droite, vous voyez mes Pokémon. Et j'ai laissé un vide en dessous. Pour vous faire penser, est-ce qu'il y aura les 8 prochains badges après Kanto? Est-ce qu'il y aura Johto? C'est possible. Écoutez, c'est possible. J'ai prévu de compléter ce jeu. D'ailleurs, après Pokémon version Gemme 3.9, si tout se passe bien, je ferai le 4.0 quand il sera sorti. Parce que oui, hein, le 4.0, il sort pas pour l'instant. Il est confus. Je vais faire un peu ouragan. Il va attaquer. What? Il était déjà type normal donc. J'aurais dû envoyer Macaque pour qu'il lui lance Match Punch. Ok. Ses âmes niveau 16. Il va évoluer. Oh my god. Là faut envoyer un Pokémon qui est fort contre type électrique, donc Floré. Qui est type plante. Et le type électrique n'est pas très efficace contre le type plante. Je vais lui faire acide. Avec un peu de chance je vais l'empoisonner. Non, visiblement. Il me l'a paralysé. Ce n'est point grave. Il me baisse mon attaque. Ce n'est point grave. Je lui lance acide. Parce que acide c'est une capacité. Spécial comme spécial, voilà, spécial. Merde, il est paralysé. Hâte de baisser mon attaque. Voilà. Spinda. Oh. Hop là, Macaque. Là, on est sûr que Spinda est type normal. Oh. En fait, j'aime bien quand il a la tâche, mais quand il a pas de tâche, ça le fait pas. Il faudrait parce que je sais que les positions des tâches sont random. J'ai remarqué ça dans Pokémon version Ruby et Saphir quand je voulais quand j'étais en train de faire une chasse à Chenei et tout le tralala. Enfin, une chasse au Chenei de mon côté, hein, cherchez pas l'épisode, c'est mort, vous le trouverez pas. Donc du coup je faisais une chasse au Chenei, cherchais un sable à Chenei et tout le tralala. J'ai fini par le trouver hein. Je lui ai même apporté. Ah Sésame. Il me bloque dans ma discussion, vous voyez. J'espère que tu vas prendre une attaque parce que. Kadabra. Malheureusement je pense pas qu'on pourra le faire évoluer en Alakazam. Il apprend choc mental, génial. Oh il est toujours trop beau comme ça. Merde! Si on était allé un peu plus loin, je pense que on aurait pu aller chercher la Pokéball là-bas. J'ai besoin de me divertir, alors faisons un petit combat. Eh bien, écoute, pourquoi pas. Bref, qu'est-ce que je disais déjà, avant qu'il évolue? Ah oui, chercher des Pokémon Chenei et tout. Et puis j'ai fini par constater que les petites tâches de Spinda étaient random, placées aléatoirement.
Ouah, ça va hein, quand même. Ça le rend confiant en plus. Oh, il se blesse. Oh, oh t'es trop fort, Sésame. D'ailleurs, c'est une femelle. J'ai jamais remarqué d'ailleurs. J'ai galéré à le capturer, hein. Je vous le jure. Hop là. Son premier combat qu'il effectue, il monte au niveau 17. Oh, parfait. Il envoie Rhinocorn. Je me demande si choc mental sera bon contre lui. Allez, choc mental. Oh putain, mais il est surcheaté en fait. Regardez-moi les dégâts qu'il me fait. Mais il a combien en attaque? Eh non, mais je regarde tout de suite, moi. Non, mais c'est quoi ce Pokémon? Voilà. Il a une attaque spéciale de malade. Mais c'est normal qu'il fasse aussi mal. Voilà, chaque que j'ai eu quand je l'ai capturé, mais c'est puissant. Oh bah putain. Ça y est, une seconde. On a 11 minutes, ok. De retour sous peu. Hein? D'accord. D'ailleurs, on a téléport avec Sésame, ça c'est bien. Du coup, on sera pas obligé de se taper toute la route. Oh my god. Vous vous rendez compte de ce que je viens de m'apercevoir là? J'ai 2000 poké de l'art, ça c'est là, ça. On va le dépenser tout de suite avant qu'on se fasse ruiner par la sonde Pokémon, parce que pendant tout l'entraînement, j'ai fini par ne plus avoir d'argent du tout. On va le dépenser en potion. Et en Pokéball, tiens, aussi. Je sais plus combien j'ai de Pokéball. Racontez-moi cette douce musique. Oh, je vais acheter des Pokéballs. Hop là, deux Super Balls. Je vais acheter deux potions. Voilà. Ouais, s'il vous plaît, elle est trop belle cette musique. J'adore. Bon allez, maintenant qu'on a fini tout ça, qu'on a fini tous ces dresseurs. Ah d'ailleurs, on n'a pas fini. On n'a pas fini pour la simple et bonne raison que normalement on n'aurait pas dû utiliser téléport. Mais bon, c'était un peu indispensable pour soigner nos Pokémon. Ce qu'on aurait dû faire, c'est faire demi-tour, mais dans la deuxième route là. Vous voyez le petit pont là à droite. C'est par là qu'on aurait dû passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous allez voir vous-même. Je ne vous spoile pas. Si vous voulez savoir, avancer en au moins 4 minutes près de la prochaine. En tout cas, je suis pas déçu des stats de mon Kadabra. Je crois que j'ai bien le gardé. Hein. Mais franchement, je m'y attendais pas, quoi. Il a carrément plus de d'attaque spéciale que de points de vie. Hein. C'est magique. Ah, j'ai parcouru de longues distances, vaincu les dresseurs du pont des 5, mais j'ai encore soif de défis. D'accord. Très bien. Je te lance au défi, tu dois me battre, allez. Un duo, deux duos. Allez, c'est l'heure de tester notre Sésame. Il va lancer choc mental. Il a one-shoté. Bon, en même temps, c'est ton coup critique. Et fallait s'y attendre. Il a one-shoté quand même. Niveau 18. Il monte tellement vite. Entrave. Intéressant. Parcool. C'est Pokémon qui apparaissent, vous savez. Ça, c'est d'art, ça. Tous les deux tours, il n'attaque pas. Regardez-moi ça. Par contre, il a une défense de merde. Ça, c'est sûr. Faut arranger ça tout de suite. Parce que du coup, c'est un gros défaut. J'ai acheté des potions, je vais les utiliser. Voilà. Et regardez-moi ça, c'est tellement magique. Hey! Et voilà. Mais c'est Dialka. Alors, tu vas bien? Moi, je pète le feu.
Je viens d'obtenir mon deuxième badge. Je suis déjà en route pour obtenir le troisième. Pour en obtenir un troisième. Si tu n'as pas encore le badge décerné par Pierre, le champion d'Argenta, va le voir au Mont Sélénite. Il s'y entraîne. Tu viens de croiser un sbire de la Team Rocket. C'est pas rassurant quand même comme nouvelle. Tu devrais en avertir la police. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Assez bavardé. Voyons si tu t'es amélioré depuis notre dernier combat. Bah, si t'as deux badges et moi j'en ai zéro, personnellement j'y crois pas trop. Ouais, si belle la musique. Dun, dun, dun. S'il te plaît, si t'as réussi à battre le champion de Pierre avec un pied avec niveau 17, tu me le dis tout de suite hein, que j'appelle l'hôpital. Parce qu'il y a peut-être un problème là. Parce que là, j'ai carrément one-shoté juste pour te dire. Recoups. Avec des Pokémon vol. Non mais sérieusement. Ah, il baisse ma précision. Tout se passe bien, il se soigne pas. Et je le termine. Il a monté au niveau 19. Et le monde, c'est qui son Pokémon Starter déjà? Tignon. Ah oui. Limite, il fait tout à lui tout seul, vous voyez. Mais s'il te plaît, mais si t'as battu les deux champions avec des Pokémon niveau 22, tu me le dis tout de suite. Il y a un problème. Je te le one shot. Ah non, même pas. Mais je m'y attendais. Ouh. Ouais, bah ouais. De toute façon, il a une défense de merde, hein. C'est normal. Il est mieux en spécial. Allez, PJ, à toi. Tu vas lui faire... Oula. Tornade. Normalement, tu le tues. What? Ah, d'accord. Normalement, là, tu le tues, c'est obligé. Ces hommes étaient le meilleur. Ouais. Pas de doute, tu es meilleur que la dernière fois. Ah bah oui, hein. Si t'autorisais à avoir tes deux premiers badges, moi je les aurais facilement. J'ai encore perdu. Tu as eu de la chance cette fois-ci. On se retrouvera assez tôt. Bien assez tôt. Et à la prochaine fois, ce sera ma victoire. Je suis content de t'avoir revu. Mais je dois y aller, à plus, à plus tard. À plus, à plus tard. C'était soit l'un, soit l'autre, hein, mais pas les deux. Bon, il nous reste environ 12 minutes, on a de quoi faire la championne Ondine. Je sais, on fait les badges dans le désordre, mais c'est pas grave. De toute façon, nous avons deux Pokémon aptes à les combattre. Nous avons Flory, qui est de type plante, et nous avons Fairy, qui est de type électrique. Nous allons racheter encore des popos. On va dépenser nos sous parce que c'est important. Et en plus j'adore la musique. S'il vous plaît, je veux connaître l'auteur de ce pianiste. Enfin, je veux connaître le pianiste parce que franchement il est super doux. Alors, je vais en prendre deux. Ok. Hop là. On a 60 Pokémon. Ouais, bah non, je peux pas en avoir plus. Je pourrais limite me l'écouter en boucle tout le temps. Elle est tellement bien fait cette musique. Allez, c'est parti. La première fois qu'on rentre dans une arène. C'est parti. Bonjour, je suis Ondine, la championne d'Azuria. D'abord, il faut lui rendre quelque chose, je viens de m'en souvenir. J'ai toujours admiré la force tranquille de l'eau. Ce n'est pas étonnant que je sois devenue une dresseuse de Pokémon O. Une dresseuse, ils ont dit dresseuse, hein, pas dresseur. Oh, tu as l'air de vouloir m'affronter. Te crois-tu capable d'affronter l'immense puissance de l'eau? Non. Oh, mais c'est mon Togepi. Merci de me l'avoir rapporté. Pour te remercier, accepte ce cadeau. Cristal d'eau. Ce cristal s'est formé après que l'eau fut exposée à un froid extrême.
Je ne sais pas si tu lui trouveras une quelconque utilité, mais au pied aller. Je comprends pas le sens de cette expression. Tu pourras en tirer un peu d'argent. Et pour notre combat, l'eau est d'une patience infinie. Reviens quand tu te sentiras prêt. Bonjour, je suis Ondine, la championne d'Azuria. Oh my god. J'ai toujours admiré la force tranquille de l'eau. Ce n'est pas étonnant que je sois devenue une dresseuse de type eau. Oh, tu as l'air de vouloir m'affronter. Te crois-tu capable de dompter l'immense pouvoir? L'immense puissance. Non, j'aurais plutôt dit l'immense pouvoir. De l'eau. Oui, c'est parti. C'est ce que l'on verra. Oh, la musique, elle est épique. J'augmente le son parce que là, c'est trop épique. Pas de mon côté, hein, vous vous sentirez. Hein. Psycho Quack niveau 26, je crois que je vais morfler. Yeah, yeah, yeah. Niveau 26, je crois que je vais morfler. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Je l'ai rendu confus. Ah, tout le coup, il va me rendre confus à son tour. Ah non, c'est bon. Allez, puisque quoi que vaincu. En même temps, c'était plus facile. Le prochain, on va s'attaquer à Poissirène avec Flory. Why? On va lui faire poudre au dos. Si tout se passe bien, normalement, il s'endort facilement. Nickel. Ça, c'était la super technique ultime de Flory, là. Poudre au dos, vas-y, attaque-le, agresse-le. Et tu lui enlèves la moitié de ses points de vie. Il dort encore. Waouh. Est-ce qu'il va le tuer? C'est une bonne question. Et on l'a vaincu. Ouais. Tant d'applaudissements pour Flory. Par contre, il gagne pas beaucoup. Ah, c'est parce que c'est départagé. Starry, on va faire de même. Je sais qu'il a des attaques de type psy, Starry. C'est sûr. On va lui faire la même technique. Hein. Par contre, ça fait mal. Hein. J'espère qu'il va tenir le coup. Allez, Fouelian. Mais voir combien ça lui enlève. Plus de la moitié. Ok. Il ne se réveille pas. Nickel. On va essayer de garder Flory pour la suite. Pour le prochain Pokémon. Tout se passe bien pour l'instant. Nous avons battu Starry, qui est au niveau 32 quand même. Il apprend sabotage. Eh bien non, parce que je n'ai pas d'objet sur moi. Du coup, sabotage ne servira à rien. Staros. J'ai qu'une seule attaque de type électrique. Ça, c'est vraiment chaud par contre. Je pense qu'il va me faire très mal. Il a quand même 12 niveaux de plus que moi. On va voir comment on lui enlève. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner. On va surtout soigner Flory. Ok. Hop là. Il va me tuer, c'est obligé. C'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai pas de rappel, donc ça va être chaud. J'espère qu'il va résister à l'hérésiste. Oh, nickel. J'ai pas d'attaque comme Vampigraine, ça c'est ballot ça. Voyons voir ce que ça donne. Allez, Fouelian. Je vais switcher tout de suite et je vais le soigner. Il se réveille, il fait soin. Oh putain, ça c'est le truc qui m'énerve. Ça c'est en plus, il continue en plus. Flory, c'est le seul qui peut le battre. Si c'est un coup critique, tout se passe bien. Lui, il a perdu tous ses XP, c'est pas grave.
Ouais, on va envoyer ses âmes. J'y réfléchissais, je me suis dit, allez, on va faire entrave. Et ben non. Attendez, juste une question. Contre chaleur et froid. Isogresse, contre chaleur et froid. En gros, les attaques de type feu et les attaques de type glace sont... Non, je vois pas en fait. C'est pas grave. Allez, on envoie Fleury. On va voir s'il va tenir le coup. Théoriquement, il le tient. Oh merde! Moi, je peux pas le soigner éternellement, moi. Allez, tiens-le. Voilà, nickel. Oh putain, il arrête pas de se soigner depuis tout à l'heure. S'il veut qu'il y ait des soins, tout se passe bien. Mais non, mais rate pas! Ça va être le gros fail de la journée, là, vous voyez. Dans ce Pokémon, si je gagne, franchement, il y a un problème. On va lui faire Foilian. J'espère qu'il restera endormi longtemps. Et j'espère qu'il n'utilisera pas soin. On lui a enlevé un tiers, il dort encore. On va lui faire Balgraine. Il se réveille. Tour rapide. C'est faible pour tour rapide. C'est faible, c'est très faible. Oh, 5 fois. On l'endort. Oh non! Allez, encore. S'il te plaît, fais au moins 5 fois. Nickel. Oh non, Meteor, résiste. J'ai pas de rappel. À moins que... J'ai pas de rappel. Ah bah oui, non, mais ça... Celui qui le tient le mieux. Résiste. Résiste. Putain. Gros fail. Heureusement qu'on est pour nos yeux. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va plutôt aller au Mont Sélénite. Combattre Pierre d'abord. Puis ensuite, on verra plus tard. Parce que c'est trop dur. Déjà, bah, je pense que à force de faire le Mont Sélénite, c'est chiant. Donc, je fais une ellipse. Donc, bah, tout de suite, les gens. Oh, les gens! Alors, déjà, je suis à l'entrée du Mont Sélénite. Oui, vous savez pourquoi? Parce que pour combattre Pierre, il suffit juste une chose, c'est d'aller voir Mont Sélénite, comme nous avait dit notre rival. Et je sens que les Pokémon vont me saouler. Normalement, il est quelque... Voilà, il est là. Je pense que vous avez vu son demi-sprite, là. Hop là. Bonjour, je suis Pierre, le champion d'Argenta. Tu veux te mesurer à moi? Très bien, rejoins dans mon arène d'Argenta.
Allez. Du coup, on fera le combat pour le prochain épisode. Et comme d'habitude, on s'est fail. Parce que ce jeu est complètement cheaté. Tout simplement. Du coup, on se rejoint pour Argenta pour le prochain épisode. Et j'aimerais vous annoncer un petit truc. Parce que oui, demain, du coup, il n'y aura pas Pokémon Version GM. Il y aura une autre série. Une nouvelle série sur ma chaîne. Que j'ai décidé de lancer à partir de maintenant. Je sais, du coup, ça va retarder la série Pokémon GM de beaucoup de temps. Mais ça en vaut la peine. Cette série s'appelle Pixelmon. Pixelmon, c'est un mode sur Minecraft qui reprend le concept de Pokémon en fait. C'est en fait, c'est carrément il y a les Pokémon dedans. C'est le Pokémon mode Minecraft. Donc en gros, si vous voulez, vous voulez jouer à Minecraft et Pokémon à la fois, Pixelmon, c'est bon pour la santé. Du coup, j'ai décidé d'en lancer une série sur ma chaîne que j'ai décidé d'appeler Pixelmon, comme tous les youtubeurs qui appellent Pixelmon de toute façon. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que la série Pixelmon vous plaira. Le premier épisode sortira soit demain soit la semaine prochaine si j'ai eu le temps de le tourner. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. S'il vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner pour suivre toutes nos aventures. Donc, salut tout le monde !